Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Disciples de Charles Gave. Vous allez écouter son dernier article publié le 17 avril 2023 sur l'Institut des Libertés. Je vous mets le lien comme d'habitude en description. Il est intitulé « Qu'est-ce que le marché obligataire et comment fonctionne-t-il ? » Bonne écoute. Au milieu des années 70, le monde arabe croulait sous les dollars en raison des augmentations des prix du pétrole qui venaient d'avoir lieu. L'un de mes amis, qui travaillait dans une grande banque française à l'époque, fut envoyé en Arabie Saoudite pour offrir les services de son employeur aux autorités. Il y fit une présentation technique fort brillante, et le dignitaire local lui dit à la fin de son exposé, citation, « C'était passionnant, et comme vous m'êtes très sympathique, je vais vous poser une question. Pourriez-vous m'expliquer la différence entre une action et une obligation ?» Compte tenu de certains commentaires que j'ai eus sur mon site, je me dis que nombre de lecteurs n'en savent peut-être guère plus sur ce sujet que le dignitaire arabe de l'anecdote. Je vais donc expliquer ce qu'est une obligation et comment sa valeur bouge avec le temps et les taux d'intérêt. Question. Qu'est-ce qu'une obligation du point de vue juridique ? Réponse. C'est un contrat. Un contrat de location entre un prêteur et un emprunteur. Le prêteur louant son capital à l'emprunteur. Pour ce service, l'emprunteur va s'engager à payer un loyer, entre parenthèses, un taux d'intérêt, fermez la parenthèse, à payer un loyer tous les ans, dont les termes, entre parenthèses, taux d'intérêt, durée, garantie, etc., sont fixés dans le contrat, et à lui de rembourser son capital à l'échéance du dit contrat. Ce genre de contrat existe depuis la nuit des temps, Sumer, entre parenthèses. Mais, à partir du Moyen-Âge, les Européens prirent l'habitude de coter sur un marché ouvert ces contrats de façon à en assurer la liquidité. Si le prêteur avait d'un seul coup besoin de son argent, il pouvait vendre ce contrat à un autre prêteur qui prenait sa place pour le reste de la duration du contrat. Ce fut une invention immense, puisque cela permettait de donner une valeur de marché au temps. Et cette invention ne fut possible que grâce à l'arrivée du zéro et au développement des mathématiques. Les premières obligations qui furent cotées furent celles des grands États souverains, Grande-Bretagne, Espagne, France. Et des cotations similaires apparurent au cours des deux derniers siècles au bénéfice d'entités du secteur privé, sociétés immobilières, sociétés financières, comme le canal de Suez, sociétés industrielles, etc. Venons-en maintenant à la seconde partie de ce papier. Je vais essayer d'expliquer comment le cours d'une obligation, c'est-à-dire son prix, bouge en fonction de la variation des taux d'intérêt et du temps pendant lequel ces intérêts doivent être versés. Que le lecteur veuille bien considérer le graphique ci-dessus. Le graphique ici présente deux courbes, une première courbe correspondant au taux de rendement des obligations à 30 ans, entre 1980 et aujourd'hui, la deuxième courbe correspondant au prix de l'obligation. Et on peut directement constater que lorsque le taux de rendement des obligations diminue, le prix des obligations, lui, monte. Et inversement. Je reprends le texte qui explique en détail. La ligne bleue représente le taux d'intérêt que l'emprunteur, entre parenthèses l'État américain, servira au prêteur, entre parenthèses un fonds de pension par exemple, chaque année pendant les 30 années suivantes. Ces obligations ont donc une duration de 30 ans. Ce taux a varié énormément depuis le début du graphique. En 1978, il était à 8%. 4 ans plus tard, au début de 1982, nous étions à 15%. Plus haut historique jamais atteint pour les obligations US, pour tomber à un plus bas de 1,35% au début de 2020. Et nous en sommes, au moment où j'écris ces lignes, à 3,37%. La ligne rouge représente le cours d'une obligation qui serait émise à 30 ans et qui aurait la caractéristique de ne pas payer de coupons annuels mais de capitaliser ses coupons à partir du cours initial pour atteindre 100 30 ans plus tard. Je m'explique. Prenez la ligne bleue en 1978. Les taux sont à 8%. Tirez la verticale vers la ligne rouge et vous arrivez à 10 dollars. Cela veut dire que si vous investissez 10 dollars, qui se capitalise
à 8% année après année, au bout de 30 ans, vous aurez 100 dollars. Imaginez maintenant que vous ayez acheté votre obligation à 10 dollars un jour et que les taux montent à 15% le lendemain. Que va valoir l'obligation que vous avez achetée à 10 dollars? Elle vaudra 2 dollars. Et donc, celui qui achetait une obligation à 30 ans au début de 1982 était certain de voir son capital passer de 2 dollars à 100 dollars en 30 ans. Ce qui est bien. Mais celui qui a acheté un zéro coupon à 30 ans à 70, au plus bas des taux au début 2000, a vu son capital passer de 70 à 30. Ce qui représente une sacrée gamelle. La conclusion est donc simple. Premier point, quand les taux à l'émission montent, le cours des obligations qui avaient été émises précédemment, en offrant des taux plus bas, baisse. Pour que toutes les obligations de même duration aient des taux égaux. Entre parenthèses, les différences sont arbitrées immédiatement. Deuxième point, plus une obligation a une duration longue, plus elle sera dépendante de l'évolution des taux et plus volatile elle sera. Et donc, premier point, si vous pensez que les taux vont baisser, vous achetez des obligations les plus longues possibles, entre parenthèses supérieures à 10 ans, vous allongez la duration de votre portefeuille obligataire. Deuxième point, et si vous pensez que les taux vont monter, vous vous mettez en obligations les plus courtes possibles, entre parenthèses inférieures à 1 an, vous raccourcissez la duration de votre portefeuille obligataire. Ce qui m'amène à la troisième partie de ce papier. Comment, moi, simple particulier, puis-je savoir si les taux d'intérêt vont monter ou baisser? Après tout, la plupart des économistes semblent incapables de répondre à cette question toute simple, ou, plus exactement, statistiquement, leurs prévisions sont moins bonnes qu'un tirage au hasard. Voilà qui n'est guère étonnant. Encore une fois, il est complètement idiot d'essayer de faire des prévisions sur quoi que ce soit, le futur étant inconnaissable. En revanche, il est tout à fait possible de déterminer s'il faut acheter ou vendre des obligations longues aujourd'hui, compte tenu de ce que je sais et que donc je n'ai pas besoin de prévoir. Pour cela, je vais utiliser les travaux de Maurice Allais, prix Nobel d'économie, et appliquer sa règle d'or. Nous avons ici un deuxième graphique, nous expose donc deux courbes, la courbe rouge qui représente le taux long à 10 ans sur les obligations américaines, et une courbe bleue qui représente le taux de croissance structurelle du PIB nominal aux USA. Ces deux courbes sont superposées à différentes périodes, de 1965 à 2025, avec un hachurage gris pour les périodes de récession aux USA et des périodes vertes correspondant à des taux réels négatifs sur les bons du Trésor à 3 mois, toujours aux USA. On constate immédiatement que les tendances des deux courbes se suivent. Je reprends le texte pour les détails. La règle d'or stipule que sur le long terme, les taux longs aux USA, le rendement sur le 10 ans gouvernemental, entre parenthèses ligne rouge sur le graphique, converge toujours vers la croissance du PIB nominal, entre parenthèses, moyenne sur 7 ans de la croissance annuelle du PIB US, ligne bleue sur le graphique. Les 55 dernières années semblent confirmer ce théorème, ce qui me permet d'émettre des recommandations. Voici les deux règles qu'il faut suivre. Premier point, si la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue, cela veut dire que les taux sont au-dessus de la croissance et qu'ils vont sans doute baisser. Vous achetez des obligations longues. Dès que les taux passent au-dessus du taux de croissance, vous vendez. Deuxième règle, si les taux courts en termes réels sont négatifs, vous vendez au plus tard, après ce passage, car cela veut dire que nous avons un banquier central keynésien, entre parenthèses, Burns, Bernanke, Yellen, Powell, qui va foutre en l'air la monnaie et que l'inflation va repartir. Et l'inflation est le principal ennemi des marchés obligataires. Aujourd'hui, aux USA, la croissance sur les 7 dernières années, en termes nominaux, est à 5,2%. Et le taux sur les 10 ans est à 3,48. Nous sommes 170 points de base trop bas sur les taux. La baisse des marchés obligataires, qui a commencé en mars 2020, est loin d'être finie. Il faut donc
réduire au maximum la duration de son portefeuille obligataire. N'avoir dans les portefeuilles à revenus fixes aux USA que des bons du Trésor à 3 mois est donc la décision à respecter. Appliquons maintenant ces deux règles au marché des obligations allemand pour en vérifier la validité. Dernier graphique de l'article, nous avons toujours deux courbes, le taux sur les 10 ans allemands en rouge, la croissance structurelle du PIB allemand en bleu, superposée aux différentes périodes, les périodes de récession en Allemagne et les périodes où les taux réels courts étaient négatifs. Ces deux courbes sont décrites de 1990 à nos jours. Il existe également une deuxième sous-partie montrant l'inflation sur 12 mois en Allemagne. Différents événements clés sont notés sur le graphique, comme le choix réalisé par M. Draghi lorsqu'il était directeur de la Banque Centrale Européenne de passer les taux réels courts négatifs, ce qui se traduit par le croisement des deux courbes, le taux de rendement de l'obligation à 10 ans allemande passant sous la croissance structurelle du PIB allemand. Je reprends le texte. De 1985 à 2000, les taux longs restent au-dessus du taux de croissance, ce qui maintient la ligne rouge au-dessus de la ligne bleue. Le Bund reste tout du long un merveilleux placement. Arrive l'euro en 2000. Tout va bien jusqu'en 2012. Survient l'inévitable crise de l'euro et Draghi doit choisir entre la disparition de l'euro ou la destruction du Bund comme réserve de valeur. Il décide de tuer le Bund pour sauver l'euro, c'est-à-dire de suivre une politique monétaire qui automatiquement déclenchera une forte hausse des prix en Allemagne. Les taux réels deviennent négatifs, la ligne rouge passe sous la ligne bleue, et la conséquence inéluctable suit. L'inflation explose. Le marché obligataire allemand s'écroule. La conclusion est la même qu'aux USA. Et donc, premier point, ne pas acheter le Bund tant que les taux allemands n'ont pas atteint 4%, c'est-à-dire tant que les taux longs ne sont pas passés au-dessus du taux de croissance. Ce qui implique une nouvelle baisse d'environ 10% sur les Bund 10 ans qui ont déjà baissé d'environ 25% depuis le début de 2020. Ce qui met en danger les caisses de retraite et les compagnies d'assurance outre-Rhin. Deuxième point. Mais si les taux allemands atteignent 4%, les taux français seront 5% et les Italiens à 6%, niveau très supérieur au taux de croissance de ces deux pays. Compte tenu de l'immensité de leur dette étatique existante, ces deux pays entreront immédiatement dans une trappe à dette, ce qui déclenchera une énorme crise dans la zone euro. Conclusion, les Chinois souhaitent à ceux qu'ils haïssent de vivre dans des temps intéressants. Les temps vont devenir de plus en plus intéressants en Europe et aux USA, en tout cas pour les gérants obligataires. En ce qui me concerne, je suis investi ailleurs que dans les instruments américains ou européens. Je n'aime pas trop les temps intéressants. Fin de ce dernier article. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.